this one na sara sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta. Alors aujourd'hui je viens avec une lotion ultra hydratante, une lotion qui va stimuler la pousse des cheveux et en même temps maintenir l'hydratation pendant longtemps. Alors pour confectionner cette lotion, ce spray capillaire que j'ai d'ailleurs appelé lotion hydrostimulante beauté d'Afrique, vous le comprendrez plus tard dans la réalisation de ce spray, il est riche en tout, hein, franchement, il est multi bienfait, voilà, je vais dire ça comme ça. Avant de passer à la préparation de cette lotion, on va faire un zoom sur le pH. Voilà mes charmantes, je sais que vous attendez des vidéos sur le pH. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement du pH du spray que l'on utilise au quotidien. Pour les personnes qui ne le savent pas, le pH, c'est le potentiel d'hydrogène à mesurer l'acidité ou la basicité des produits capillaires qu'on utilise, des produits en général qui sont aqueux, donc qui ont de l'eau. Alors, les huiles, vous ne pourrez pas mesurer le potentiel d'hydrogène tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'eau. Le potentiel d'hydrogène est caractéristique pour les produits ou les soins capillaires aqueux. Le potentiel d'hydrogène se mesure entre 0 et 14. Entre 0 et 6,9, le pH il est acide. Et entre 7,1 et 14, le pH il est basique, donc alcalin. Le pH neutre, il est de 7. Alors, quelle est l'importance du pH pour la construction de nos soins capillaires? Ça va être simple. Après, il ne faut pas qu'on rentre dans la paranoïa. Il est important de mesurer le pH de nos préparations, tout simplement parce que ça va aider à embellir le cheveu. Ça va éviter les nœuds. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent par rapport aux nœuds, aux frisottis, et ça va rendre les cheveux souples. Le pH du cheveu, autant que celui de la peau, il est compris entre 4 et 5,5. Donc, il faut faire des préparations avec ces mesures-là. Et pour mesurer nos préparations capillaires, il faut utiliser les bandelettes de pH. Elles se présentent comme ceci. J'en ai pris chez Aromazone, voilà. Donc, il suffit juste de tremper cette bandelette dans la solution aqueuse pour mesurer le pH. Un produit acide va venir envelopper le cheveu du film hydrolipidique. Il va permettre de refermer les écailles du cheveu pour éviter le dessèchement parce qu'il y a les intempéries qui peuvent causer le dessèchement. C'est pareil quand vous utilisez un produit alcalin ou basique, donc supérieur à 7. Il va assécher le cheveu. Il va ouvrir les écailles du cheveu. Il va donc entraîner les frisottis. Il va entraîner les nœuds. Pour trouver le juste milieu et le juste milieu pour le cheveu crépus, bouclé, sain, c'est 4 et 5,5. Il y a des produits qu'on utilise, par exemple, comme des défrisants qui ont un pH très alcalin, de 12 par exemple. Donc, c'est des produits à éviter, excusez-moi. Il y a également le bicarbonate de soude qui a un pH de 8. Vous pouvez rééquilibrer en préparation avec le bicarbonate de soude pour qu'il soit compris entre 4 et 5. À la limite, à la rigueur, ne descendez pas en dessous de 3. Parce que si vous descendez en dessous de 3, votre solution, votre soin, il va abîmer la structure d'origine même du cheveu. Il va détruire le cheveu. Assurez-vous que le produit que vous utilisez en dernier lors de vos soins est acide. C'est pour cela qu'il est important de se rincer les cheveux avec une solution acide. Je vais vous laisser regarder la préparation de mon spray hydrostimulant. J'espère que ce petit zoom sur le pH vous aura été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à activer les notifications et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve très certainement pour un autre partage encore plus intéressant pour la beauté, pour le soin et pour l'entretien de notre nuage de coton. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Alors, on va immédiatement commencer avec la préparation de ma lotion hydrostimulante Beauté d'Afrique. Pourquoi Beauté d'Afrique? Tout simplement parce qu'elle est issue des ingrédients qui viennent de notre chère terre africaine. Donc, j'ai utilisé deux peaux de banane que j'ai laissées sécher. Vous pouvez utiliser des peaux de banane fraîches.
des feuilles de papayer séchées et aussi les feuilles de goyavier séchées, les graines de papaye séchées également, un petit noyau d'avocat que j'ai râpé. Il faut noter que tous ces ingrédients me viennent du Cameroun en dehors de l'avocat et bien sûr des peaux de banane. Voilà pour la richesse de ma lotion beauté d'Afrique. On va faire bouillir tout ça. Après avoir soigneusement lavé les feuilles et graines, j'ai utilisé de l'eau de robinet. On va parler du pH tout à l'heure. On va mettre nos feuilles à ébullition et on va laisser couvrir pendant au moins 15 minutes. On remue de temps en temps. La papaye est un fruit ultra riche. Il se consomme vert ou mûr. Il est riche en vitamine C, A, B5, vitamine B1, vitamine E, en potassium. Elle va donc aider à la pousse du cheveu. Elle va lutter contre la chute autant que les feuilles de goyavier. La peau de banane, quant à elle, elle va apporter souplesse à notre lotion. Et le noyau d'avocat va venir nourrir les cheveux, il va venir activer la pousse également, sans oublier les graines de papaye qui ont un super pouvoir stimulant. On va laisser infuser le plus longtemps possible. Pendant que notre préparation est donc en train d'infuser, je vais vous faire le pH de mon eau de robinet. Allez, je prends juste une petite tasse d'eau de robinet dans laquelle je trempe ma bandelette. Vous constatez que l'eau de mon robinet, elle est assez alcaline, elle est basique. Elle est entre 7, 5 et 8, donc voilà, c'est une eau très basique. Maintenant, je vais mesurer le pH de mon infusion. Elle a eu le temps de refroidir, ça c'est la magie du montage. On passe immédiatement à la mesure du pH. Mon infusion a un pH de 6,6, donc il est acide, mais il est absolument insuffisant pour le pH de mon cheveu. Donc on va rééquilibrer, on va réajuster tout ceci un peu plus loin. Pour la préparation de ma lotion hydrostimulante aux beautés d'Afrique, je vais obtenir au final une préparation de 100 ml environ. Je mélange bien le tout. Pour maintenir l'hydratation durant cet hiver, on va rajouter une cuillère à café de glycérine végétale. On mélange bien le tout, ça va maintenir l'hydratation tout au long de la journée. Ensuite, je vais rajouter une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre. On touille bien le tout. Il faut suivre la préparation de cette lotion étape par étape. Pour les personnes qui n'ont pas de bandelette de pH, il faut suivre étape par étape. Et maintenant, on va découvrir ensemble le pH de notre lotion, de notre spray. Il est compris entre 4 et 4,5, ce qui est idéal pour le cheveu crépus, pour le cheveu bouclé. Pour finir, on va rajouter 20 gouttes du conservateur Kosga. Si vous n'avez pas de conservateur, c'est une lotion que vous garderez 2 semaines maximum au réfrigérateur. Avec ce spray, vous n'avez pas besoin de vous hydrater les cheveux 2 fois par jour. 1 fois par jour suffit. Vous mettez votre spray, vous mettez votre huile et puis vous scellez avec votre crème ou alors à l'inverse. Vous verrez, franchement, vos cheveux vont rester longtemps hydratés. Voilà pour la lotion beauté d'Afrique. Maintenant, on va passer au rinçage définitif. N'hésitez pas à tester cette lotion. Je vais donc prendre le reste de ma préparation. C'est l'équivalent d'un litre que je vais filtrer. Ces feuilles, je ne les jette pas immédiatement. Je vais les réutiliser 3 fois, toujours pour des eaux de rinçage. Je vais garder au réfrigérateur. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère à soupe et demi de vinaigre de cidre pour mon rinçage définitif. Il faut que l'eau que j'utilise en dernier dans mon soin, elle soit aussi acide pour que les écailles y restent fermées. Voilà, le pH de notre eau de rinçage définitif est le même que la lotion beauté d'Afrique 4-4-5. N'hésitez donc pas à l'essayer. Vous avez toutes les armes pour vous hydrater au quotidien et rincer vos cheveux. N'hésitez donc pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur les zooms de pH. Restez connectés. Je vous dis à très vite. Bisous.